Bonsoir, nouvelle intro les gars. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo mes cadeaux de Noël. Ce Noël j'avais vraiment aucune idée, mais quand je vous dis aucune idée je savais pas quoi commander, mais du tout. Ah, mon téléphone était sous ma commode. Donc j'ai demandé un budget et j'ai été faire mes petites courses avec ma maman dans les galeries de Lafayette ou dans Paris, dans plein de magasins, tout ça. Il me reste encore de l'argent, du coup je pourrais vous faire un haul parce que je pensais m'acheter des chaussures. D'ailleurs j'hésite entre des Vans, donc je vais vous mettre des photos ici et vous allez me dire lesquelles vous préférez. J'ai vraiment besoin de votre aide parce que je sais et j'hésite entre toutes ces paires. Comment vous dire, c'est le coup de cœur. Merci papa. J'avais été les acheter en novembre au printemps de Paris 2 je crois. Elles sont trop mimi. Comment vous dire, je les ai mises, j'ai tellement peur de les abîmer, c'est ouf. Donc c'est un cadeau de ma mère, elle m'a acheté une petite bombe aussi pour les protéger. Je vais essayer de pas faire les mêmes conneries que les Converse. J'aime pas les hugs moyennes, vraiment j'aime pas trop parce qu'en plus quand ça s'abîme ça se tasse et tout. J'ai pris des courtes et les courtes genre vraiment c'est hyper mignon, ça fait comme des petites bottines. Quand vous les mettez vraiment on dirait des chaussons. Je suis sûre que je vous conseille pour cet hiver c'est les mini hugs comme ça. Par contre faut que j'achète des sneakers à côté parce que je veux pas trop les abîmer quand même. Second cadeau, c'est de la part de ma soeur, donc j'étais vraiment étonnée qu'elle fasse un cadeau. En plus on en a fait deux, j'adore. Franchement c'était le meilleur cadeau qu'on puisse m'offrir. C'est un petit kit de sourcils Benefit. C'est une petite boîte. On a un gel, le crayon à sourcils, le crayon qui va en dessous du sourcil. On a un truc pour tracer un sourcil, mais ça je comprends pas très bien. En fait vous avez des petites plaquettes comme ça et vous mettez le truc en mode comme ça. Sauf que ça tient pas. J'aime trop. J'ai pris en teinte 3. C'est vraiment la teinte parfaite. Et j'aime trop, voilà. Deuxième cadeau de ma soeur, c'est un parfum. J'ai je sais pas combien de parfums là par contre. J'en ai actuellement 4 remplis. C'est un parfum que j'avais, je crois, l'année dernière. Donc c'est le parfum Zara Oriental. Ce parfum, c'est toute ma vie. Regardez. J'en ai senti un à Zara aussi qui sent hyper bon. Ensuite, troisième cadeau, donc c'est, je le porte actuellement sur moi, c'est une veste en cuir. J'avais déjà une veste en cuir de chez Zara, mais elle est trop grande, vraiment elle est giga grande, du coup elle ne sert plus à rien. Je vous la vendrai sur Vinted d'ailleurs, je vous mets Vinted ici. Donc c'est une veste en cuir Guess que j'ai achetée aux Galeries de Lafayette. Je l'aime trop, elle est hyper courte et la matière, mais c'est du simili cuir bien sûr. Écoute, même si je sais que les hugs c'est du mouton. Moi aussi en vrai ça me dégoûte. Je vais la mettre H24, par contre pour l'hiver c'est un peu compliqué. Je pense que je mettrai une grosse écharpe avec ça. Mais wow, je l'aime trop. Donc ça c'est un cadeau de mon parrain, donc c'est une veste Guess. Merci Bernard. Bisous à toi Bernard si tu passes par là. I'm lost. Oh non. C'est un cadeau, du coup j'ai pas fini le budget, donc il me reste encore de l'argent sur ce pull. Donc c'est un pull que j'ai acheté au Citadium de Saint-Lazare. C'est un pull de la marque Wasted. J'hésite à aller le rendre et prendre un autre pull parce qu'en fait il est super grand. Enfin en fait j'aime bien qu'il soit grand, mais il va super bas en fait. Donc derrière il y a écrit le nom de la marque avec des petites fleurs violettes comme ça. Oh, trop beau. Et devant il y a les deux petites fleurs violettes et je peux faire des ourlets. Et comment vous dire qu'à l'intérieur il est hyper doux, mais vraiment il est super doux, on dirait un doudou. Aussi je voulais une veste I am Dia. Je vous mettrai une photo ici. Je voulais vraiment énormément et ils l'ont plus du tout en stock, donc je suis un peu dégueu. Elle est complètement différente, mais bon. Voilà. Mais j'hésite quand même à aller la... Non, je vais pas aller la rendre. On va la garder. Cadeau de ma soeur et ma maman, je crois. Je voulais depuis qu'ils sortent avant, en fait. Je sais pas si vous êtes abonné au compte de Rihanna. Elle postait que des photos avec, en mode... Il va bientôt sortir, nanana. Et oh, mais regardez-moi cette beauté. Donc c'est le rouge à lèvres de la marque Fenty Beauty. Je l'ai porté le 25 et franchement il tient hyper bien. Par contre quand vous mangez, il tient pas quoi. Il est hyper crémeux, je vous le conseille énormément. Un petit cadeau de mon papa. Alors ça c'est un cadeau un petit peu, il y a un petit message derrière. C'est une batterie portable, donc en fait quand je vais à Paris, j'ai jamais de batterie. Une fois j'avais plus de batterie, mes parents devaient venir me chercher. Et j'avais du retard, genre vraiment du retard, une heure. J'avais plus de batterie pour leur envoyer un message en fait, donc ils m'ont attendu pendant une heure, ils auraient pu partir, j'aurais pu rester toute seule, j'avais plus de téléphone. Un autre cadeau de mon papa. J'étais trop contente quand j'ai vu ça, en fait je le voulais pas spécialement, mais en fait quand je l'ai essayé, genre il est hyper beau. J'aime trop mettre ça avec mes Hugg Bass, ça fait trop beau. Je vous mettrai une photo de que j'ai prise sur mon snap, que je mets aussi ici. C'est un leggings avec toute une bande blanche.
Il est génial, je l'aime beaucoup. Un cadeau de mon tonton. Déjà, je vais faire une petite explication là. J'ai testé énormément de jeans dans ma vie. Les jeans Monkey sont encore meilleurs que les Levi's en fait. Je sais pas si vous voyez, mais là, ça resserre à la taille. Sur le bout, on a des fermetures. En fait, je voulais en prendre un à trous, mais vu que dans mon école, on n'a pas droit au jean à trous, donc je dois attendre le lycée pour l'acheter. Des fermetures sur le bout. Un jean qui vient de chez Monkey, il est vraiment super super. Voilà. Ensuite, une palette. Enfin, une boîte en fait. Too Faced. On va voir cette merveille. Dans une petite boîte comme ça, hyper mignonne. On a un petit mascara Butter & Sex. Je comprends pas trop pourquoi ils ont pas mis un grand. On a trois petites palettes. On a la Super Fun Night. Donc, c'est des couleurs assez. Noir, violette. Ensuite, on en a une autre, c'est la Natural Beauty. I Believe in Pink. Donc, c'est dans les tons roses, bien sûr. Donc, ensuite, on a un bas de pyjama que je mets vraiment H24. D'ailleurs, je le porte dans ma morning routine. Je vais présenter un dernier article parce que je suis un peu obligée de vous montrer. Donc, c'est un jean qui vient du site Romwe. Donc, je vous mets par ici. Je voulais pas vous montrer de base. Du coup, j'aime pas du tout ce jean. Le bas c'est desserré, la taille c'est desserré et les cuisses c'est serré. Du coup, je vous conseille pas ce jean. C'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, si vous avez eu des cadeaux, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresserait. Ne me mettez pas devant s'il vous plaît. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.